Aujourd'hui c'est mon anniversaire et je viens de m'offrir une petite voiture sympa. Là tu le vois, la petite clé, et tu la vois ici. Donc c'est la nouvelle Audi A3 Sportback 2020. Je viens de la recevoir aujourd'hui. Et pourquoi je te dis que je me la suis offerte pour mon anniversaire? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 novembre et c'est mon anniversaire, j'ai 32 ans et je me suis offert cette voiture là. Avant de commencer, like la vidéo, c'est bien pour le référencement de YouTube et ça permettra à plus de gens de voir cette vidéo. Alors là, j'ai 32 ans. Je fais pas cette vidéo pour me la péter ou pour dire voilà, regarde dans quelle voiture je roule. Déjà parce que c'est pas non plus la voiture du siècle, c'est pas un supercar. Mais c'est juste pour te faire passer un message dans cette vidéo en disant j'ai 32 ans et c'est ma première voiture neuve. Avant 32 ans, j'ai jamais eu de voiture neuve. J'ai eu une Twingo, j'ai eu une Saxo, j'ai une Clio 1, j'ai eu une 206 et enfin j'ai eu une 308. Tout ça, c'était mes voitures. Les seules options qu'il y avait, c'était uniquement les vitres électriques. Et pourquoi j'ai patienté tant de temps pour avoir une voiture neuve? Parce que ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai créé des actifs, j'ai créé des business, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai deux colocations. Si tu me suis, j'en ai déjà parlé. Également, je commence à investir dans la bourse, donc je crée des actifs. Et cette voiture-là, ce n'est pas moi qui vais la payer, c'est mon entreprise qui va la payer. Parce que concrètement, je vais la mettre comme une charge. Parce que je ne l'ai pas payé cash. Ça serait débile d'utiliser beaucoup d'argent dans une voiture, alors que cet argent-là, je peux la mettre dans d'autres choses, justement dans des actifs. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de me vanter, ce n'est pas de dire voilà, regarde dans quoi je roule. C'est de te dire que si tu travailles dur, peut te faire plaisir par la suite. Mais ça demande du temps. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Comme je t'ai dit, j'ai eu mon permis en 2009 et c'est que en 2020 que j'ai pu acheter une voiture neuve. Voilà, ça a pris du temps, c'est un long processus et il faut travailler dur pour y arriver. Maintenant je vais te présenter un peu la voiture. Et donc moi j'adore le look parce que là c'est la version, c'est une version base hein. C'est pas une S3, c'est pas une version sport, c'est une version basique. Et même la version basique, je trouve qu'elle fait très sportive. J'adore la petite calandre là, très très jolie. Voilà, la petite calandre, vraiment sympa. J'adore ça, cet effet bombé. Ici, tu as une petite prise d'air ici, très, très, très jolie. J'adore ça. Franchement, c'est magnifique. Le capot, il est bombé avec des petites rayures ici. J'adore. Ici, les phares, c'est magnifique. Profilé comme ça, en long comme ça. J'adore. Je trouve ça vraiment très, très joli. Ici, c'est des fausses prises d'air, malheureusement. C'est du plastique. Mais bon, ça donne quand même quelque chose d'un rendu sympa, je trouve. Voilà, comme tu peux le voir, c'est assez sympa, c'est assez esthétique. Tu as les petits ailerons de base, encore une fois, tout ça c'est de base. Qui est là, qui met un côté également un peu sportif. Ici, moi ça je l'ai rajouté, c'était une option. C'est le pack design que j'ai rajouté. Donc c'est les petites baguettes. Moi je trouve que ça habille dans une A3. C'est très très joli d'avoir ces petites baguettes là. Pour moi c'était indispensable. Également j'ai rajouté les vitres teintées. Donc ça c'était encore une fois en supplément, c'était une option. Donc je les ai mises ici. Au niveau des jantes, j'ai pris les jantes de base parce que honnêtement, les jantes en option, elles coûtent assez cher. Et en plus de ça, je les trouvais vraiment pas très jolies. Donc pour le coup, je suis resté sur ces jantes-là. Donc c'est des jantes 16 pouces, des petites jantes on va dire. Mais vraiment, même les jantes qui étaient en option ne me plaisaient pas forcément. Donc, je suis resté là-dessus. Et là, moi derrière, j'adore. Là vraiment, j'adore. Donc là, c'est les nouveaux phares de Audi.
comme tu peux le voir, qui sont très très fins et très profilés encore une fois. Ça, il y a vraiment un look sportif avec encore une fois l'aileron qui est là, la petite lumière ici qui est juste ici, c'est assez sportif. Tu as également là des prises d'air, encore une fois c'est du plastoc, mais je trouve que ça fait quand même esthétique, même si c'est du plastique. D'ailleurs, faites un petit like. S'il y a des Réunionnais qui suivent cette vidéo-là, faites un petit like. Tous les Réunionnais, mettez-moi un petit commentaire. Je la trouve vraiment, vraiment très jolie. Du coup, on va voir. Après, on va passer à l'intérieur pour que je te montre les différentes options que j'ai choisies. J'ai également l'ouverture automatique du coffre. Ça, c'est super intéressant. J'appuie deux fois et ça s'ouvre. Voilà. Je peux le faire depuis le poste de conduite. Je te montrerai après. Et du coup, bah, si je veux refermer, j'appuie sur le petit bouton et ça se referme automatiquement. Le coffre, il est assez raisonnable, moi, je trouve. Voilà, pour une petite famille, ça fait vraiment le travail. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur pour que je te montre un peu à quoi ressemble l'intérieur. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. On dirait, c'est futuristique. On dirait qu'on est dans un cockpit d'avion avec là les prises d'air ici qui sont vraiment très, très jolies, tout en hauteur là, qui sont profilées comme ça. Ça fait vraiment cockpit d'avion. Donc, au niveau des options, ce que j'ai rajouté, c'est le CarPlay et plus le chargement à induction. Là également, j'ai deux prises USB, très pratique. Là, le start and stop, c'est de base, donc ça, j'en parle pas. Je vais te montrer l'intérieur de ma 308. Tu vas voir vraiment la différence. Là, j'ai l'impression que je suis dans un avion. Regarde, tout est numérique. C'est super joli. Voilà, j'ai ma consommation directement, l'autonomie. Voilà. J'ai même ça, là, l'aide au conducteur. Ici, on a un écran tactile qui est assez grand, franchement. Et moi, j'ai l'interface 2021. Normalement, quand moi, j'avais commandé, je devais avoir l'interface 2020, mais là, c'est l'interface 2021. Et donc, je peux mettre la navigation. J'ai CarPlay également ici. Voilà, j'ai pas mal de réglages ici. Donc, c'est vraiment super, super intéressant. Et moi, j'adore ici, vraiment, ce que j'adore, c'est ça. Voilà, ce petit, je pense que ça doit être du plastique, malheureusement c'est du plastique, mais bon, c'est très joli, c'est bien, quand même bien travaillé, avec le petit logo Audi qui reste ici, plus les prises d'air ici tout en long qui sont très jolies. Au niveau de la portière, ça manque un peu, c'est ce côté plastique. Voilà, je trouve ça assez moche, c'est assez moche, je trouve. Au niveau option que j'ai pris, donc j'ai pris le park assist. Voilà, j'ai la caméra, bon là c'est parce que je suis en hauteur, mais normalement ici je peux voir en fait en arrière. Également, j'ai des capteurs ici, donc c'est très, très pratique. Donc ça, c'est ce que j'ai ajouté. Et ça, indispensable, c'est le toit panoramique qui s'ouvre entièrement. Ça, c'est top. C'est pas juste le toit panoramique qui s'incline comme ça. Il s'ouvre automatiquement. Donc, je peux le fermer voilà, directement comme ça. Et il se ferme entièrement. Et si je veux fermer, je peux fermé ici directement. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur la voiture, sur mes business, comment j'ai pu me faire financer cette voiture-là, n'hésite pas, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.